je m'appelle Sixtine, j'ai 11 ans et demi et je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 10 ans et je suis en CM2. Nous allons vous présenter Cupcake et compagnie. Alors pour ceux qui se demandent, un cupcake, c'est une sorte de muffin avec un glaçage dessus, enfin qui ressemble à ça. C'est le premier tome et il s'appelle « La gourmandise n'est pas du tout un vilain défaut » de Lisa Papa de Meutriou. L'histoire, elle est racontée par Hailey, le personnage principal. Cette histoire, elle parle d'amitié, d'amour et de cuisine parce que comme elle adore les cupcakes, il y a beaucoup de recettes à l'intérieur pour faire des glaçages et des cupcakes. Hailey est en 5e et adore la pâtisserie, en particulier les cupcakes. C'est son passe-temps favori, mais aussi son consolateur dans les moments difficiles. Justement, en ce moment, tout va de travers. Hailey a l'impression que sa meilleure amie, Artie, se rapproche du garçon qu'elle aime. Et pire encore, son autre meilleur ami, Marco, est distant. Et tout ça, c'est sans compter ses problèmes de famille. Mais comment Hailey va-t-elle réussir à se sortir de tous ces problèmes? Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a certains prénoms qui sont pas très courants. Donc il y a Marco, Hailey, Artemis. Et aussi, j'ai bien aimé les recettes. Ce qui m'a plu dans cette lecture, c'est le fait que ça soit une adolescente, l'histoire d'une fille après normale. Et ça m'a beaucoup plu aussi parce qu'elle a à peu près mon âge, cette fille. Et j'aime beaucoup les cupcakes. Bah, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que déjà, je suis gourmande et puis qu'il y a des recettes. Hein. Et parce que moi, je trouve que ce livre, on a l'impression de se plonger dans la vie d'Hailey. Parce que elle nous raconte tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle vit, elle nous raconte un peu tout. Bye bye et bonne lecture. Au revoir. J'espère que vous avez aimé notre prestation et si vous trouvez le livre bon, bonne dégustation. Cacao.